Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous montrer la coiffure que j'ai réalisée. Donc en fait, c'est simple, j'ai redéfini mes boucles naturelles avec quelques produits. Donc j'ai utilisé pour ça le leave-in de Talia Waji, la crème hydratante de chez Monster et le gel Eco Styler Argan. Donc faut savoir que le gel Eco Styler, c'est pas quelque chose qui plaque vraiment mes cheveux, ou soit il faut que j'en mette une tonne. La technique est très simple. Vous pouvez voir que mes cheveux sont pas cartonneux, ça bouge, c'est pas sec, c'est pas cassant. Si je tire dessus, ça remonte bien, donc ça, vous voyez bien que c'est pas sec comme de la paille malgré l'utilisation du chip. Je vous laisse regarder la suite. Je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous! Bye bye! Je commence ma coiffure en rinçant mon soin, mon masque profond que j'ai laissé poser toute la nuit. Donc c'est idéal de travailler sur des cheveux bien hydratés la veille ou juste avant de faire la coiffure. Donc j'essore légèrement, je ne retire pas tout l'eau qui est dans mes cheveux. Et là, je commence à appliquer les produits que je vous ai montrés. Donc j'utilise le leave-in de Talia Waji, que j'applique bien sur mes cheveux, que je masse sur mes longueurs. Donc là, mes cheveux sont hydratés, vous voyez déjà les petites boucles. Ensuite, je vais appliquer le lait capillaire. Donc, j'applique très peu de lait capillaire parce que si vous en mettez beaucoup, ça aura tendance à faire des résidus blancs. Et c'est pas ce qu'on veut. Et je finis par le gel. Quand j'applique le gel, je fais en sorte de bien démêler mes cheveux, même s'ils sont déjà démêlés au préalable, de séparer les brins entre eux. C'est ce qui fera qu'on verra vos boucles. Donc, l'étape cruciale, c'est les petites séparations. Les toutes petites séparations. Après, on peut faire plus petit encore, mais moi, je le fais comme ça. Je trouve que c'est bien. De toute manière, les cheveux vont se séparer d'eux-mêmes par la suite. Voilà, c'est fait. Je continue le processus sur toute ma tête. Bien sûr, en faisant toute ma tête, il y a des parties où mes cheveux auront déjà séché. Donc, j'utilise un vaporisateur d'eau. Il n'y a que de l'eau dedans. Donc, je humidifie bien mes cheveux lorsque j'ai appliqué le produit. Et je fais mes séparations. Et ça fait comme si je sortais de la douche et je venais d'appliquer le produit. Après, on secoue le tout pour que les boucles ressortent encore plus, secouées devant, derrière, sur le côté. Et là, j'applique le sèche-cheveux pour sécher mes cheveux. Donc, il y a un petit bouton bleu qui me permet d'utiliser de la chaleur froide, mais moi j'utilise de la chaleur tiède. J'utilise mon casque à sèche-cheveux, mais il fait pas grand chose pour moi. Bon, il a séché un petit peu, mais c'est pas terrible. Donc le devant est sec. Après plusieurs minutes avec le sèche-cheveux, le casque à sécher, mes cheveux ne sont toujours pas secs au fond. Devant, oui, mais derrière, pas trop. Donc, le plus important, c'est devant. Ça a déjà bien rétréci. Je vais laisser derrière sécher à l'air libre.
et on se retrouve pour le résultat final. J'ai oublié de vous dire, mais aujourd'hui c'est le deuxième jour que je porte ma définition de cheveux. J'ai fait ça hier, j'ai pas eu le temps de filmer la vidéo, donc j'ai fait ça rapidos aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai pas beaucoup de temps non plus, donc voilà. Allez, bye bye. 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother.